après avoir traversé l'Europe, je rentrais en Turquie par la frontière d'Edirne. Toujours en compagnie de mes deux amis slovènes, nous allions ensemble jusqu'à Istanbul. Bienvenue aux portes de l'Asie. Après deux jours passés avec mes deux conducteurs, je repartais seul, direction la capitale. Alors je viens de quitter Ankara, direction Trabzon pour pouvoir récupérer mon visa pour l'Iran. Et je suis à quoi aller 150 km d'Ankara et je suis en plein milieu du désert de l'Anatolie. Ça crame à mort et il n'y a pas grand monde. Enfin pas dans ce sens-là en tout cas. En plus je suis en plein milieu d'autoroute. Donc la misère pour faire de l'autostop. Grosse misère. Enfin je vais m'en sortir hein, comme d'habitude. Après une bonne journée d'autostop, mon dernier conducteur m'a payé une chambre dans un hôtel 3 étoiles. C'était un mec super sympa. Il m'a payé à bouffer ce soir et là, vu qu'il pouvait pas m'héberger parce qu'il est militaire, il m'a payé un hôtel 3 étoiles quoi, à 160 liras la nuit, donc à peu près 80 € quoi. Des fois, oui, avec un peu de chance, surtout qu'il m'a fait faire pas mal de kilomètres. Donc, nickel. Demain, je devrais être à Trabzon. Mais avant, une bonne nuit de sommeil dans un 3 étoiles. Bon, me voilà à Trabzon.
dans l'est du pays, là où je devais aller pour obtenir mon visa. Et je l'ai, mon visa pour l'Iran. Et donc voilà, je suis au bord de la mer Noire. Le problème, c'est que pas de chance, il fait pas beau. J'ai vraiment pas de bol sur le coup là. Mais bon, j'ai au moins eu reçu mon visa pour l'Iran. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à me diriger vers le sud-est du pays pour passer la frontière. Je vais vous montrer un peu la mer Noire quand même avant. Bon, alors je suis sorti de Trabzon, je suis à Machka. J'ai pris la route pour Erzurum. Et voilà, voilà. Il va être midi. Et j'espère arriver à Erzurum ce soir. Si tout se passe bien. Bon bah changement de décor, là je suis en pleine montagne, il y a plein la brume. Et du coup on ne voit pas beaucoup. Et en plus c'est vraiment des. Faire du stop, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis un peu bloqué là. Mais bon, espérons que le brouillard se lève et que la voiture s'arrête. Là, c'est un peu la galère. Au revoir l'Anatolie et bonjour la Mésopotamie. Muhteşemdi. Şu anda halen dinliyorsunuz kamu spotu olarak. Mutlaka dikkatinizi çekiyordur. Sigaradan, sigara illetinden bizi uzaklaştırmak için sigaranın ne kadar zararlı olduğunu anlatan tanıtımları da halen radyomuzda, bütün radyolarda, televizyonlarda dönüyor. Yani sanatıyla, insanlığıyla çok başka bir isimdi ve maalesef ki aramızda yok. Bir kez daha Müşir Kenter hocamızı sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Onun gibi değerli bir üstadı görmek, onun eserlerini izlemek...